Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens de, on va dire, me réveiller parce que j'étais malade toute la journée. J'étais au taf, du coup je pouvais pas tourner ma vidéo. Je suis rentré, j'ai dû me soigner, j'ai dû me reposer et tout. Et voilà. Voici la bonne nouvelle. Une petite mise à jour concernant les compensations. Et c'est une bonne nouvelle parce que on va aller voir ce qu'ils vont nous donner de suite. Et il n'y aura pas que ça, bien sûr, les gars. Mais avant toute chose, avant de démarrer la vidéo, je vous invite à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça me fera énormément plaisir, et à me suivre sur les réseaux sociaux Twitter et Discord. Ok. Du coup, on va basculer sur une certaine page. Voilà, on est ici, on bascule ici le temps que le téléchargement se finisse. Et on va parler un peu des leaks qu'on a eu. Ceux qui connaissent. Ceux qui jouent au jeu, mais sans connaître les personnages, c'est dommage pour vous. Mais voilà, ceux qui aiment la licence et qui sont à fond dans l'animé, vous connaissez sûrement Carrion. Il a été ajouté en tant que nouveau personnage dans les données du jeu. Mais par contre, on ne sait pas si ça sera une unité jouable. Pour le moment, il y a eu pas mal de leaks concernant ce personnage, mais que dans les voix. Et certes, c'est vrai, je les trouve assez, sa voix, je la trouve assez stylée. On va aller écouter quelques-unes. J'ai l'impression de l'avoir déjà entendu quelque part. En vrai, je sais pas où est-ce que je. Je sais pas exactement où je dans quel autre anime je l'ai entendu, mais j'en suis sûr de l'avoir déjà entendu cette voix. Non, oui, sa voix, c'est sûr, j'ai déjà entendu. Il se peut que ce soit juste un perso d'interaction pour gagner un peu de gemmes par-ci par-là. Peut-être que ce sera un perso farmable, mais pour le moment, rien n'est sûr. On verra. On verra. Du coup, le téléchargement s'est terminé. On rebascule. Voilà. On est ici. Bonus de connexion. On skip. Ok, nice. Lime le sama. Ok. Alors, la récompense de compensation, plus la commémoration des 1 million de téléchargements, est désormais disponible depuis ce matin. Comme vous l'avez vu, la mise à jour a duré, a été, on va dire, assez longue. Et pas que, parce que ils ont dû réajuster quelques trucs. Alors voilà, on va recevoir. On a reçu 10 tickets d'invocation, 10 tickets de recrutement pour le bug du message d'erreur, suivi de 5 trucs et au total 450 gemmes. C'est une bonne nouvelle. 5 potions de stamina. C'est un très bon. Réellement, c'est de très très belles compensations. De toute façon, fallait s'y attendre. Les développeurs, c'est WFS. Ceux de Danmachi et Memoria Freeze, qui d'ailleurs ne nous ont jamais déçus concernant les récompenses et les compensations sur leur jeu à eux, enfin sur Danmachi. Et petit conseil, les amis, avant de terminer la vidéo, réellement, je vous déconseille d'invoquer sur le portail de Diablo, parce que c'est pas un portail unique, il se peut qu'il revienne dans un portail filaire. Je m'explique, les portails filaires en fait. Je vais prendre l'exemple de One Piece Venture Rush, c'est des portails à couleurs et à attributs spécifiques. Par exemple, des fois, ils font des portails filaires support, parfois combattant, parfois tank. Et des fois, ils prennent que des persos à couleurs bleues ou attributs bleus ou attributs verts, jaunes, etc., etc. Un peu comme à la Bleach Brave Soul. Et là, je crois bien qu'ils sont partis dans ce délire-là de faire des portails filaires.
filler plutôt, on va dire filler parce que c'est mal, j'ai mal prononcé. Du coup, voilà, je vous conseille réellement, les amis, d'économiser tout ce que vous venez d'avoir via tout ça là. Et d'attendre un vrai portail, même le portail de Veldora, enfin de Veldra, de Veldra, de Millim et du nouveau Limil qui vont arriver. Évitez d'invoquer trop là-dessus parce que ça va. Ce ne seront pas des persos uniques. Ce ne sera réellement pas des portails des persos uniques. Excusez-moi, je l'ai répété deux fois en plus. Du coup, économisez pour un vrai portail. Attendez après Halloween parce que pour le moment, on est en plein event Halloween. Comme vous l'avez vu avec Diablo et Chion. Chion qui est un personnage. Entièrement dédié à l'anime et qui n'est jamais sorti, enfin, entièrement dédié au jeu et qui n'est jamais sorti dans l'anime. On fait ça. Moi, pour ma part, je vais économiser, je vais commencer à économiser. Un nouveau portail arrive dans 5-6 jours. On va mettre pas mal d'argent de côté, pas mal de gemmes de côté pour vous préparer une belle vidéo en vocation, les amis. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Twitter et Discord disponibles dans la barre de description comme d'habitude. Sur ce, peace et ciao!